Alors, où est-ce que je pourrais partir en vacances? Ah, je sais, j'ai trouvé. Je vais partir en vacances à la plage, mais en Espagne. Et la date, je vais la choisir pour le 20 juillet. Ah, c'est bien ça. Bon, je dois aller au boulot, je dois aller au restaurant, je dois aller bosser au restaurant. Et après, je vais retourner chez moi. Voilà, madame, je vous ai donné votre poulet ainsi que votre couscous. Et je vous ai donné votre oasis. Donc, bon appétit à vous. Bonjour, j'aimerais les chaussures rouges, le pantalon rouge et le pull rouge, s'il vous plaît, c'est pour les vacances le 20 juillet. D'accord, ça fera 800 000 euros, s'il vous plaît. Merci. Bon, alors, qu'est-ce que t'as important de me dire? Qu'est-ce que t'as important à me dire à ta chère mère? Dis-moi tout. Bon, je sais que tu n'aimes pas être toute seule, mais je vais partir en vacances en Espagne à la plage. Donc voilà, c'est pour que je prenne un peu de liberté. Donc voilà. Mais tu sais bien que je veux pas que tu partes en vacances, je veux que tu sois avec moi. Ton père est mort, du coup je veux que tu sois auprès de moi. Et je veux pas que tu rencontres de femme. C'est avec moi que tu seras, même si je suis ta mère. Et je vais te pourrir la vie. Tu n'iras pas en vacances. Si, j'irai en vacances, et c'est comme ça. C'est bon, j'en ai marre. Ça fait 48 000 années que je ne sors pas à cause de toi. Donc tu me laisseras. Bon, écoute, maman, j'en ai marre que tu sois dans mes pattes tout le temps. Je partirai en vacances et c'est comme ça. Point, c'est comme ça. C'est pas toi qui décides. Oh là là. D'accord, tu abandonnes ta mère comme ça, tu m'abandonnes? Non mais ça va pas ou quoi? Non mais attends, tiens, ton train il est arrivé. Descends. T'es plus mon fils. Bonjour, moi c'est Clémentine. Et vous, comment vous appelez? Oh ben moi, je m'appelle Julien. Voilà, je m'appelle Julien. Oh, vous allez pas bien, vous vous faites la tête. C'est bizarre. Dites-moi ce qui va pas, Julien. Bon, en fait, c'est ma mère, elle arrête pas de me faire chier, c'est criant. Oh là là, ça me saoule. Et vous, vous partez où en vacances? Eh bien moi, je pars en Espagne, à la plage, et ouais. Moi aussi, je pars à la plage en Espagne. Eh ben dis donc, on a des points communs. Oh là là. Ah voilà, nous sommes arrivés à la plage en Espagne. Ah, trop cool. Ok, bah, à très vite. Moi, je dois m'en aller hein, parce qu'on est arrivé et parce que je dois avoir ma maison de vacances. À très vite. La maison de vacances est vraiment belle. Elle est vraiment belle, mieux que la maison où j'habitais. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais à la plage pour en profiter. Oh, rebonjour Clémentine. Je suis surpris de vous voir ici. Oh, dis donc.
Oh oui, bah écoutez, je profite des vacances. Ça vous dit qu'on aille faire un restaurant ensemble ce soir? Moi, j'ai très envie. Oui, avec plaisir, ne vous inquiétez pas. Oh, franchement, merci beaucoup de m'avoir invité au restaurant. La nourriture est super bonne. Bon, écoutez, je vous aime. Est-ce que je peux venir chez vous, enfin, dans votre maison de vacances, ce soir, s'il vous plaît? Bon, écoute, Julien, je dois te dire un truc. Je suis enceinte de toi, de 15 heures. Donc voilà, je sais pas comment tu vas le prendre. Mais non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, je ne veux pas d'enfant. Eh ben écoute, je vais te quitter et tu l'élèveras tout seul. Allez, au revoir, moi je vais aller à la plage, tu l'élèveras tout seul. Moi, je ne veux pas d'enfant, tu te démerdes. je ne pensais pas que t'allais réagir comme ça. Je te croyais plus gentil. Oh, salut papa, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu étais mort, moi, et en plus, tu as rajeuni. Bon, en fait, Julien, j'ai été en prison pendant 20 ans, tu vois. Et bah du coup, j'étais pas là pendant 20 ans, parce que j'étais en prison pour viol, alors que j'ai rien fait. La police m'ont relâché, parce qu'ils ont vu que j'avais rien fait. Et du coup, voilà, mais t'inquiète pas, ta mère le sait, on t'a rien dit. Bon, écoute, j'ai vu mon père pendant les vacances et mon père m'a dit qu'il a été en prison pendant 20 ans pour viol et qu'il a été en prison pour rien. Et je suis sûr qu'il y a des autres informations que je ne sais pas. Donc, maintenant, tu vas tout me dire. Bon, oui, écoute, c'est vrai que ton père a été en prison pour viol, mais il n'a rien fait. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que t'as une demi-sœur. Elle s'appelle Clémentine Lerasouclaste. Lerasouclaste, et oui. Et toi, tu es Nestor Lerasouclaste. Et ça, tu le savais pas. Voilà la deuxième information qu'on te cachait. Mais oui, je l'ai rencontrée en vacances, Clémentine. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle est tombée enceinte de moi. De toute façon, c'est possible. Même si c'est ma demi-sœur. Ah d'accord, c'est ma demi-sœur. Ah bah voilà. Eh bah dis donc, en partant en vacances, j'ai fait vraiment des découvertes, hein.